Bon alors ma puce, j'ai le porte-monnaie, on va pouvoir aller acheter des jouets. J'ai trop envie d'aller acheter des jouets, on va voir combien on a déjà. Alors, combien on a? Alors attends, on doit avoir pas mal. Ok. On a que ça? 15 centimes? Coucou papa Eli. Ça va pas du tout là. On a que 15 centimes, on peut que acheter du pain. Même pas 15 centimes, c'est nul. Mamounette, on voulait acheter des jouets. Et en fait, dans le porte-monnaie, on a plus de sous, on a 15 centimes. On est cuit, on pourra pas aller acheter de jouets, Mamounette. Bah écoute, Mamounette a fait les soldes. Et Mamounette a fait les soldes pas n'importe où, dans les magasins de jouets. Et du coup, j'ai trouvé des super bonnes affaires. Oh, c'est avec du moins 70%, t'imagines? Moins 70%. En plus, ce sont des super jouets. Ça vous dit de découvrir ça après le générique? Mais oui, ça vous dit générique. T'as vu ma bouche, Mamounette? Et nous revoici les petits copains, les petites copines, sur ce super effet spécial. C'est tellement bien fait. C'est tellement réaliste. Alors Ellie, je vois que la mi-de-vie c'est 15 centimes de côté quand même. Hein. Faut pas. Non, voilà. Hein? On alors, est sûr. Tu as fait les soldes. Tu as trouvé des choses. Est-ce qu'il y a un thème? Oui. My, dis-moi. Little Pony. My Little Pony. Et oui, je le tiens dans la main. Alors là, elle le voit un petit peu. Alors regardez, j'ai trouvé ces petits kits My Little Pony. Alors celui-ci, c'est le chariot de bienvenue. Regardez. Trop mignon. Attends, Dodo, tu me fais boucher la coquine. Regardez, elle est en train de se faire manger de bisous. Ah, alors, c'est le chariot de bienvenue. Trop mignon. Et alors, ce petit jouet, je l'ai trouvé à 3 euros au lieu de 10, à peu près 10 euros, 9,99. Il y en a deux. Génial. Il y en a encore deux. Non, il y en a encore un autre différent. Je suis tombée sur le stand de glace. Regardez, trop mignon. Avec... Comment elle s'appelle, elle? Est-ce que c'est Fluttershy? Est-ce que c'est Rainbow Dash? Alors on va le voir tout de suite. C'est Twilight Sparkle, papouné. Regardez, c'est trop mignon. Alors ça reproduit à l'identique l'univers de My Little Pony. Et trop bien ce petit dessin animé, j'aime bien. Puis j'adore les petits caractères des poneys dans ce dessin animé, c'est trop malin. Ah Mamounette, ça aussi tu l'as eu à 3 euros. La même chose. Et alors il y en avait deux différents, donc j'en ai pris deux. Incroyable. Cool, hein? 3 euros au lieu de 10 euros. Incroyable. 9,90, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Allez, on allez, vas-y, arrache tout. Oh, c'est vrai qu'il y a le petit univers même sur l'emballage. Ça part, bon, on s'en fout. Alors, qu'est-ce que tu as eu dedans? Oh là, il y a l'air d'y avoir plein de choses. Oh là là, il y a des sucres d'orge, il y a plein de choses. Alors, Mamounette, est-ce que tu veux voir le dépliant? Oui, on va regarder. Je te montre. Il doit y avoir tous les petits kits disponibles. Alors, nous, donc, on va ouvrir le chariot de bienvenue. Il est trop mignon. Le stand de glace, il existe également le marchand de ballons ici. Et là, c'est le marchand de gâteaux, il me semble. Et puis, on a également la grande maison fait en friandise, on a l'impression. Bienvenue à Sugar Cube Corner. Bah oui, hein, ça donne envie tout ça. Hein. Mmh, trop mignon. Et alors là, on voit tous les petits poneys qu'on peut avoir. Trop chouette. Et nous, on va ouvrir Twilight Sparkle dans le kit de papounet. Ouais, mais alors c'est trop bien, Mamounette. Regarde, il y a plein de petits accessoires. Là, je viens de lui mettre un chapeau, regarde. Oh, trop rigolo. Alors là, c'est le petit âne. Il est trop chouette. Mais où ça? J'aime bien son petit air. Je suis pas très bien réveillée. On dit que les ânes sont têtus, hein, c'est ça? Oui, alors je dois être un âne, Mamounette. C'est vrai. C'est vrai qu'à l'école, j'avais souvent le bonnet d'âne. Oui, non, mais t'as dû être un âne dans une autre vie. Je confirme, je confirme. Ça me reprend, Mamounette. Alors, il est super mignon. Puis c'est des super figurines, bonne qualité. Hein. C'est chouette. Oui. Et alors, il y a tout son chariot avec plein de trompettes, de petits drapeaux, des petits... les trucs qu'on souffle dedans et ça fait... Des langues de belle-mère. Des langues de belle-mère, il y a plein de choses, même des petits gâteaux, j'ai l'impression. Ouais. Bah ouais, il y a des sucres d'orge. Je pense que ça, c'est un sucre d'orge. Ouais, ou c'est ça que je voulais te dire, là. Ah, d'accord, c'est quand pas tu du souffles dedans, ça fait... Trop rigolo. Tout plein de petits accessoires pour se créer des petites histoires. Il y a également un petit canon aussi, j'ai vu. Regarde, Mamounette, c'est... animé. Ah oui, c'est articulé plutôt. Et là, on peut connecter tout ce qu'on veut, tu vois. Tac. Ah oui, vois. C'est super décoré du coup. Tac. Tu mets ce que tu veux, comme oh, tu veux. Cool. Regarde. Hop. Regarde Mamounette. Trop chouette.
Alors regardez, on ouvre ça et à l'intérieur il y a même une sorte de petit four qui doit pouvoir s'ouvrir. Et il y avait un petit gâteau, il l'a fait tomber, oui, il est où? On l'a ici. Il tu est peux là, me le faire gâteau. Passer? Tiens. Regardez, il y a des petits cupcakes, ils sont tout mini mini. On peut les mettre à l'intérieur, hop, ça cuit. Donc c'est un chariot qui fait également cuisine. Sympa, trop chouette. C'est cool. Alors avec, il y avait un canon à gâteau. Je oui, pense qu'on met vu. Le gâteau dedans, on tire et puis on fait... On mange les gâteaux. Bon, c'est particulier ça, hein. C'est juste de la petite déco pour se faire des petites histoires. Trop mignon. Ok, et alors Papounet, est-ce que tu as ouvert ton stand de glace? Oui, je l'ai ouvert. Ah oui. Regarde, il est trop mignon. Mais on voit merci. Ici une petite chantilly sur le dessus. On l'a monté, hein. Il était tout démonté, on l'a d'accord. monté. D'accord. Et donc voilà, alors est-ce que ça s'ouvre devant? J'ai l'impression que ça s'ouvre. Essaye pour voir, je te le tiens. Ouais, regarde Mamounette, le stand est ouvert. Toilette, je veux. Ah tu t'es tombé, regarde. Regarde Mamounette. Ici. Stand fermé. Stand fermé, stand ouvert. Oh, la boutique est ouverte. J'ai tout explosé, mais Ellie avait tout bien mis comme il faut. Je suis désolé, ma puce. Ici, on a des petites étagères. Oh, je suis désolé, j'avais pas vu. Il y a des étagères. Et dessus, on peut mettre ben, les friandises, les gâteaux. Et tu me montres le petit poney, mon petit. Ah oui, le poney est magnifique. Franchement, le poney est magnifique. Ah oui. Trop chouette. Il a les cheveux bien lisses, toi, Twilight Parker, aujourd'hui. Trop rigolo. Cool. Cool, cool, cool. Bon, j'ai faim, j'ai faim. C'est rigolo, Mamounette. Hein. Moi, ce que j'adore, c'est décorer cette petite chariote. On fait vraiment ce qu'on veut. Et regarde, Mamounette, on peut même mettre ici une corde qu'on peut attacher au petit poney. Bah, bien sûr. C'est génial. Alors, c'est un âne, Papounet, qui tire le chariot. J'ai envie de dire que c'est un poney, c'est un poney. Ouais, bon, c'est un poney âne. Hein. Bon, un ponane. Un ponane. Ça te va un ponane? Oui, ça me va. Allez, un ponane. Alors, il y a réinstallé tous ces petits gâteaux. Un gâteau au chocolat. Hop, j'ouvre ma devanture. Voilà, ça va être cuit. Alors ici, on cuit les gâteaux et là, on les vend. C'est pas mal? C'est pas mal, ça va ensemble. Une continuité, là. Bon, mais j'adore l'univers des petits poneys, mais ça s'arrête pas là. J'ai également trouvé, et oui, je sais pas si tu te souviens, on avait déjà vu ça. Ah oui. Ce sont les cuties. Attends. Les Cutie Mark Crew. Ah ouais. Regardez, ce sont des petites boîtes comme ceci. Je m'en souviens. T'en as pris 3. 3, 4. 4. Tout à fait. Mais c'était les seuls de Mamounette. 5. Alors je vous en ouvre un ici. On a une petite ouverture facile, il me semble, ici. Voilà, on libère le plastique. Ta-ta-tin. Ensuite, on a un petit carton qu'il va falloir enlever. Un petit carton. Regardez, on va déchirer, ça ira plus vite. Voilà. On tombe sur une petite boîte toute décorée My Little Pony. Trop chouette. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a un petit sachet en plastique. Mais la boîte s'ouvre. On va faire les choses correctement. Boîte ouverte. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va découvrir? Oh, wow, un énorme petit poney avec un fruit. Trop chouette, une jolie pastèque. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Oh là là, ils ont redesigné tous les petits poneys. Ils ont une tête de petit bébé trop mignon, regarde Papounet. Oh, c'est trop mignon, regarde. Et toi, t'as quoi? Oh, une part de gâteau avec... Ah, je me rappelle plus comment elle s'appelle celle-ci, Mamounet. Tu sais, avec le chapeau, je sais oh, plus. Oh, la blonde là, je sais plus. J'ai oublié. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop beau. Cool. Alors nous, on ouvre les autres, hein, Mamounet. Bah, bien sûr. Tiens, ma puce, je t'ai enlevé les plastiques, ça sera plus facile pour toi. Hop, et hop. Alors, je vais vous montrer tiens. Le petit dépliant. Avec les 24 petits personnages qu'il y a à collectionner. Voilà, trop chouette. Alors à chaque fois, on a un petit poney et une petite nourriture ou un petit accessoire mignon. C'est sympa, hein? Ah, t'as vu ma monnaie? Non, bah là, j'ai un petit univers quand même. Ah oui, c'est décoré. Et on peut refermer, remettre notre petit poney dedans. Et en oh, plus, on peut les connecter. Elles se connectent. Regarde. C'est un hamburger. Un hamburger. Ah bah alors là, alors on a fait une heureuse. On a fait donc une heureuse. Donc là, on a ouvert en tout début Cherilly. Maman avait ouvert Cherilly. Ensuite, ah, est-ce qu'on a le client avec le nom de celle qui a le chapeau? Regarde, Mamounette, celle-ci. C'est Fluttershy, celle-ci. Elle est trop belle. Ah, elle est chou. Dans son sandwich. Oui, on l'a sûrement déjà, mon cœur. Oui, parce qu'il me semble qu'on avait déjà ouvert hein, ce jardin. Oui, mais j'ai pas pu résister. Oh. Ah oui, c'est trop beau. Trop mignon. Ça nous permet de jouer avec ça. Tu sais que t'as bien fait d'en acheter parce qu'on a une nouvelle. Eh oui, on l'avait pas eu. On l'avait jamais eu, celle-ci. Trop beau. C'est mignon comme tout. C'est sur le thème de la nourriture, hein, toujours. Hein. On voit une pastèque, on voit ici un petit sandwich, une part de gâteau. Alors qu'est-ce que ça va être? On a
l'entrée, le plat principal, le dessert, qu'est-ce qu'on va avoir là? Un hamburger. Un hamburger? C'est un double? J'espère que c'est pas un double. Hein. J'espère que c'est pas un double. Alors regardez, petit copain, petite copine, après ça s'emboîte. Ah non, c'est Pinkie Pie. Pinkie Pie? On l'a pas? On a de la chance, Mamounette! On l'a pas! Ah, oh, trop cool! Pinkie Pie qui marche! Oh oui! Dans un véritable hamburger cette fois-ci, Mamounette. Ah oui, il est chouette! C'est trop mignon! Pinkie Pie, quand elle marche, elle s'est bien fait. Oui, parce que tu sais, Pinkie Pie, elle peut être soit en version poney, soit en version humaine. En humaine, fait. Là, c'est la version humaine. Oh, c'est cool! Regardez! Pinkie Pie! Avec des pieds. Et pas des sabots. Trop mignon! Et là. Elle squatte le petit burger. Trop cool, c'est trop mimi, sérieux. Regarde, il y a la petite tête juste. Ah! Elle a eu un malaise. Regarde, il y a la petite, juste la petite tête qui dépasse, papounet. Trop c'est chou. Trop mignon. Et là, comme je vous disais, vous voyez, on peut les emboîter. Hein, comme les canettes de bière actuellement. Coca, sinon. Coca aussi. Orangina. Ça tient. C'est rigolo. Donc, on peut faire des grandes tours comme ça et présenter nos petites figurines à l'intérieur, comme ceci. Regardez, vous savez qui c'est ça? C'est Réponse. Elle est en haut de sa tour. Eh oui. Avec les grands cheveux. Alors, il nous en reste un dernier. Allez, mon doudou. Je vais t'aider à enlever le plastique. C'est génial, j'adore cette ouverture. J'adore les soldes, Mamounette. Ça permet d'acheter des jouets qui sont d'habitude un peu plus chers. Ben, on les a. Oui, c'est le concept des soldes. C'est le concept. Et puis, ça nous fait découvrir des choses. C'est sympa. C'est sympa, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans délicatement, oui. Oui, tu l'as fait très délicatement, oui. Oh, ça change de ceci. C'est moi. Mamounette, Papounette, et Ellie. Alors qu'est-ce que c'est? J'espère qu'on l'a pas. Ne regarde pas le petit dépliant. Il y a des chances qu'on l'ait déjà, hein, parce qu'il n'y en a pas énormément. Il y en a 24 quand même. 24, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on y croit. On dit qu'on l'a pas. On dit qu'on l'a pas, on dit qu'on l'a pas. On espère. Est-ce qu'on l'a déjà, ma fille? C'est pas un glaçon. Waouh! Alors là, il y a des chances qu'on l'ait pas. Ellie, faut que tu reviennes un peu. Reviens, ma fille. Non, c'est un double, mais c'est pas un truc. Non, on l'a pas! C'est toi, Parker, en version marchage. En version marchage. En version à pied. C'est quand elle marche. C'est trop bien. Oh, deux petites filles. Waouh, c'est trop mignon. Puis j'aime bien parce qu'ils ont bien su exporter l'idée et la mettre en personnage. C'est sympa. Et elle a une coiffure, je vous raconte pas. Trop chouette. Et c'est quoi? C'est un petit gâteau. Un gâteau. On va te montrer, Mamounette, regarde. Un cupcake. Ellie n'est pas contente du tout, ça s'entend pas, elle est à fond. Cool, et ben écoutez, on a fait une super ouverture là, les My Little Pony, c'est génial. Trop cool. On va pouvoir s'amuser. Oh, bonjour. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que ces petites figurines qui n'ont finalement rien à voir avec ces jouets là, puisque c'est deux collections différentes, mais en fait, on peut jouer avec. Mais bien sûr. Regarde, je me mets là, j'ouvre ma devanture et regarde, ça correspond parfaitement. C'est pas génial? Bah oui, moi c'est... Moi, c'est ce que je dis. Avec les jouets, on peut tout mélanger. On peut mettre du Playmobil, avec du My Little Pony, avec des Poupelol. On peut tout mélanger. C'est génial. Bon, on va s'amuser avec toute cette nourriture factice. Très bien. Au moins, elle ne peut pas grossir. Bon, bah, je crois qu'Ellie est à fond, hein, ça se voit. Les petits copains et copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez. Nous, on va jouer avec les My Little Pony. Jenny, Jenny. C'est qui, Jenny? Jenny. Jenny, il y a une Jenny là-dedans? Non, je pense que celui qui a conçu ces jouets est un Jenny. Allez, on sait sur quoi? Jenny. Sur ma préférée. Jenny. Oh, les malites en venir, We'll be right back.